Bonjour Amulus. Oh bonjour Monsieur Papy, comment allez-vous? Très bien, toujours de bonne humeur mon cher? Toujours. Puis les amis qui sont là? Bonjour. Vous êtes de bonne humeur? Bonjour les amis. Oui, ils sont contents, les oiseaux chantent, ça sent le printemps. Oui, et les amis ont beaucoup de belles et bonnes questions. Oui. Justement, il y a un ami qui me parlait l'année passée, il a fait très chaud. Hein, oui, l'été dernier, oui. Il se posait la question, pourquoi la crème glacée, ça fond? Bien, j'en déduis que c'est parce qu'il fait chaud, puis ça, c'est glacé. Oh! C'est quoi exactement? C'est une bonne question! Les amis, ils ont tellement des bonnes questions. Ben oui, exactement. Alors, vous savez, la crème glacée, c'est composé de l'eau, du lait, du sucre, de la vanille. Ça peut être aux fraises, ça peut être au chocolat. Vous savez, c'est ça, c'est une saveur. Ça peut être du yogourt glacé aussi, hein? C'est aussi, ça peut être aussi très bon. Alors, quand on fait de la crème glacée ou du yogourt glacé, on mélange tout ça, tous les ingrédients, et on les congèle. Et quand tu achètes ta crème glacée, eh bien, elle est dure. Ouais, oui. Hein? C'est comme ça qu'on la conserve. On la fait congeler au congélateur. Et puis, quand toi, tu l'as, quand tu l'achètes, eh bien, elle est dure, elle est très prête, elle est prête à manger. Mais si tu attends trop longtemps, eh bien, ta crème glacée va fondre parce qu'elle n'est plus au congélateur. Alors, plus le temps passe, plus l'eau commence, ou le lait commence à couler. Alors, il faut manger ta crème glacée, pas trop vite, hein, parce que vous savez... Ça fait mal, vous savez, papy, on peut faire... on peut se geler le cerveau. C'est ça qu'on dit, oui. En anglais, ils disent un brain freeze. Et, oui, c'est ça. Ça mais, fait mal, ici. Et oui, ça fait mal. Et c'est vraiment... ça fait vraiment mal, hein. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il ne faut pas manger ta crème glacée trop rapidement. Il faut laisser... Ta bouche, ta gorge, ton... un peu, là. Exactement. S'habituer au froid. C'est ça. Et puis c'est pas le fun non plus avoir une crème glacée qui nous coule dans les mains. Ben non, surtout si c'est un cornet ou quoi que ce soit. C'est ça. Ou des fois même dans le bol, c'est pas agréable. Une crème glacée, c'est bon, glacée. Exactement. Et c'est la même chose pour les glaçons, hein. Vous savez, les popsicles? Oui. Des glaçons. Les friandises glacées. Et tout ce qui est au congélateur, c'est la même chose. Si on attend trop longtemps, eh bien, ça va fondre. Ça va se mettre à couler. C'est composé de beaucoup d'eau, de liquide. Eh bien, oui, c'est ça. Automatiquement, c'est... La chaleur, la glace se transforme en liquide. C'est ça. Même si vous n'y touchez pas, l'air fait que ça va fondre. OK. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Je pense que notre ami va être content de la réponse. Oui, hein? Ah, bien, merci encore, mon cher. Mais ça me fait plaisir. Et les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. À la semaine prochaine. Ah, ben bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher papy. Comment ça va, mon ami? Pretty good. Pretty good. OK. Hey, les amis sont là, mon cher. Bonjour, les amis. Où sont-ils? Où êtes-vous, mes amis? Hey, Conway. Là. OK, là, je vous vois. T'as dit, mais cet hiver, il a fait froid, hein? Ou t'aimes pas le froid, toi? Pardon, mon ami. Est-ce que tu aimes le froid ou tu aimes pas trop le froid? Parce que cet hiver, il a fait quand même assez froid. Hein? C'était pas si froid cet hiver. Non, c'est peut-être pas à ce point-là pour toi? Non, c'était bien. OK. Toi, t'aimes ça quand c'est bien, bien froid, c'est ça? So, papi. Oui. Qu'as-tu comme histoire? Aujourd'hui, la princesse gourmande. C'est l'histoire que j'ai trouvée. C'est quoi ça, gourmande? Gourmande, ça veut dire qu'elle aime manger. Oh. Et manger quand même beaucoup, hein. Moi aussi, j'aime manger beaucoup de poissons. C'est toi, c'est du poisson, mais elle, c'est pas du poisson qu'elle aime manger. Non, elle préfère manger des friandises et des pâtisseries. Des candies? Des cakes? Oui. OK. All of kind of dessert. Il était une fois, au pays de Bonne Pitance, une princesse qui aimait tout particulièrement les gâteaux.
Elle en mangeait à toutes les heures de la journée. Le pâtissier du château lui confectionnait de gigantesques gâteaux en toute occasion. En un mot, la princesse était gourmande, très gourmande. Un matin, la princesse se réveilla avec un affreux mal de gorge. Était-il marié? Non, pas encore. Pas de boyfriend? Non, elle mangeait peut-être ses émotions, ça se peut. Oh. Aussitôt, elle fit prévenir son médecin personnel qui arriva tambour battant en lui disant « Yeah! » Dites « Ah, madame! Ah! » Le médecin réfléchit en se grattant le menton et déclara « Princesse, vous avez mal à la gorge. » Hey, il était bon, hein? Il avait trouvé ça tout seul. « C'est certain. Je vais vous préparer une tisane. » Elle avait trop de gâteau, de cake dans la bouche. C'est possible. Hein, dans la gorge. Le sucre avait collé dans sa gorge. Après avoir bu la tisane, vous n'aurez plus mal. Oh, tu vois, il y a un petit accent anglais qui a sorti. Ouais. La princesse avala, vous dit, en se bouchant le nez. Ça sentait pas très bon, ce produit-là. La douleur disparut immédiatement. Heureusement, la princesse commanda ainsi plusieurs repas, dont des desserts, pour déjeuner, avec aussi des croissants. C'est quoi son problème? Bien, c'est ça, elle avait mal à la gorge, mais elle avait pris le médicament. Puis là, son mal de gorge, il est parti. Donc, elle a commandé des croissants, des brioches et un assortiment de gâteaux, bien entendu. La princesse croqua, avala une bouchée et s'écria « Pâtissier, ton croissant n'a aucun goût! » Pourtant, les gâteaux étaient tous très bons. Que se passe-t-il donc dans la gorge de la princesse? À l'évidence, la princesse avait perdu le goût du goût. Oh! La nouvelle se répandit dans tout le château, des greniers jusqu'aux caves les plus profondes. La princesse avait perdu le goût du goût. C'est terrible! Alors, elle était pour maigrir. Ah, ben ça, oui, parce qu'il n'y a plus rien qui était bon pour elle. Hein? Plus de rondeur. Mais ça ne pouvait pas rester de même. Là. On fit venir tous les médecins du royaume avec leur remède miracle. Mais la princesse ne trouvait pas le goût du goût et elle devenait triste. Les fées du goût furent appelées. La première à se présenter devant la princesse fut la fée Chocolette. Que la princesse retrouve instantanément la saveur du chocolat, ordonna la fée Chocolette en brandissant sa baguette magique. Puis, ce fut le tour de la fée Meringue, que la princesse retrouve immédiatement la saveur du sucre. Intima la fée Meringue en tournant 10 fois sur elle-même. Elle était un peu étourdie. Et puis, ce fut la fée Chantilly qui arriva précipitamment, que la princesse retrouve promptement la saveur de la vanille, commanda la fée Chantilly en tapant du pied. Mais rien n'y fit. La princesse ne reconnaissait plus le goût du caramel, de la pistache, ni de la noisette. Et mon Dieu, Thierry serait malheureux, hein? Oui, on connaît ça. My friend Thierry. Oui, il n'aimerait pas ça, avoir perdu le goût de la noisette, lui, là. He would be pissed off. Oui, a lot. Elle avait vraiment perdu le goût du goût et devenait de plus en plus triste. C'est alors que le petit apprenti pâtissier, qui s'appelait Tom, demanda audience. La princesse ne le connaissait pas, mais accepta de recevoir le jeune garçon. De toute façon, au stade qui était rendu, elle avait perdu le goût du goût, hein? Fallait bien que... peut-être que... Hein? Fait que... Que veux-tu? Lui demanda-t-elle. Princesse, je vous apporte cette petite chose qui va guérir votre gorge, dit timidement Tom, en déposant une petite boule dorée dans la main de la princesse. Une boule dorée? Une boule dorée. What is that? Surprise, la princesse mit la petite boule dorée sur sa langue et la dégusta doucement. C'est bon.
Et cela fait beaucoup de bien à ma gorge, s'exclama la princesse, qui venait de retrouver le goût du goût. Qu'est-ce que c'est? Cela, princesse, s'appelle un bonbon, répondit Tom. Celui-ci est au miel. Quelques minutes plus tard, la princesse dévorait une énorme galette au sirop. Et elle avait retrouvé le goût du goût. Et tout le royaume de bonne pitance était heureux. Et il est obligé d'acheter une plus grosse chaise? Ah, c'est pas bon, on va manger des bonbons. Élargir les portes? Pour remercier Tom, la princesse le nomma premier maître en bonbons du palais. Depuis, filles et garçons mangent des bonbons, même lorsqu'ils n'ont pas mal à la gorge. Mais, que c'est bon! C'est ça l'histoire qui a fait que les bonbons ont été inventés. C'est parce qu'il y avait une princesse qui avait mal à la gorge. Puis c'est une princesse qui était gourmande, puis elle avait perdu le goût du goût, hein? Oh. C'est pas trop, ça! Les amis, j'espère que vous avez aimé comme notre ami l'histoire aujourd'hui. Et que vous serez présents la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Merci. Have a good day, my friend.